Ils ont envahi l'enceinte du Palais du Peuple ce jeudi. Les élèves de différentes écoles conventionnées catholiques réclament la reprise effective des cours après 3 semaines de grève de leurs enseignants. Ils ont échangé avec le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Jean-Marc Kaboun les a rassurés de la prise en compte de leurs desiderata par la représentation nationale. Octobre rose, seule la sensibilisation peut aider à éviter le cancer de sein qui décime des vies des femmes, voire des hommes. La bonne alimentation ajoutée aux exercices physiques font partie des bonnes pratiques. Vous suivrez Célestin Kachunga, coordonnateur de l'ASICA. Il a expliqué les étapes de l'autopalpation dans l'émission « On est ensemble ». C'était une mission fructueuse et une moisson abondante pour le Fonaire dans la province du Lualaba. Georgine Selemani a obtenu l'adhésion de Fifi Masuka pour réactiver la taxe sur les véhicules à immatriculation étrangère. Aussi, elle a visité et apprécié le niveau et la qualité d'avancement des travaux de modernisation de la province initiés par le chef de l'État et supervisés par Fifi Masuka. Le Fonaire qui s'occupe de l'entretien des routes des phrases chargées des routes en réhabilitation et construction de cette province. Voilà tout pour les titres.